Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment. Alors aujourd'hui, c'est un tuto. Comment faire une couverture pour une vidéo YouTube. Alors pour ça, vous avez besoin d'avoir Pixar et YouTube Studio. Alors vous allez sur Pixar avant, car vous allez avoir besoin d'aller là pour faire votre couverture. Alors je vais vous montrer comment faire. C'est très facile. C'est vraiment pas difficile. Alors vous arrivez sur Pixar. Alors voilà, ça c'est une petite annonce, c'est pas si grave. Alors quand tu es sur Pixar, tu appuies sur ça, X. Tu prends ce que tu veux. Moi je vais prendre ça, vu que j'aime tant. Mais attendez, non, attends. En fait, non, attendez. Je cherche quelque chose. Bon, je suis tombé ici. Alors, entre bas ici, tu appuies sur qu'est-ce que tu veux. Alors, ensuite, tu prends une image. Dans ajoute une photo. Moi, ça va être celle-ci. Ensuite, quand l'image est rentrée, tu peux la couper. Moi j'ai appuyé sur le truc et appuyé sur personne, ça va aller vraiment plus vite. Vous pouvez aussi faire vous-même avec contour. Alors ça prend du temps parce qu'il y a un petit. Alors on fait un petit peu, voilà, le chargement c'est fini, tu fais enregistrer. Et c'est enregistré. Regarde, hop. Alors je vais faire ça, comme ça. Alors, nickel, on va l'appliquer. Alors, tu peux rajouter du texte, comme moi, ça va être tuto, faire, tuto, comment faire une pour une vidéo YouTube. Alors moi c'est ceci que je vais écrire. Alors il est là. Tu peux aussi choisir une couleur. Non, regarde, moi je vais mettre noir. Comme si, voilà. Tu as aussi des petits autocollants que tu peux chercher. Ça peut faire vraiment très joli. Tu peux aussi en chercher, regarde. Et je vais écrire. Ça c'était pour une de mes vidéos que j'avais fait. Alors, regardez, vous écrivez le mot que vous voulez. Alors, vous mettez ce que vous voulez. Regardez, moi je vais mettre tuto avec un minou. Car j'ai trouvé ça. Je vais le mettre, regardez. On va prendre. Bah, c'est vrai. On va prendre le minou. Et on peut le rapetisser. Et le mettre là dans le coin. Comme ça. Et voilà. Ensuite, fait appliquer. Facile. Ensuite, quand tu as terminé, tu l'enregistres. Alors, moi, il va vraiment envoyer sur la page d'accueil. C'est normal. Alors, quand tu as terminé, tu vas sur YouTube Studio. Tu vas sur la vidéo que tu as publiée. C'est juste que je ne peux pas le faire vu que la vidéo, donc, il va avoir cette couverture. Et celle-ci que je suis en train de faire en ce moment. Alors, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Activez la cloche et mettez un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. Ciao ciao les petits potes.